Transmission guidée par câble. Un câble est constitué d'au moins deux fils électriques réunis dans une enveloppe. La grandeur physique transportée est une tension ou un courant électrique. Il existe deux types de câbles. Le câble torsadé, utilisé pour les liaisons Ethernet téléphoniques, dont voici une photo. Ils sont sensibles au bruit et l'atténuation A y est importante et le débit numérique est faible. Le câble coaxial, il est utilisé pour relier une antenne satellite ou hertzienne à un téléviseur. Ils ne produisent pas de rayonnement électromagnétique, donc de champ électrique et magnétique, et sont peu sensibles au bruit, c'est-à-dire au bruit électromagnétique qui pourrait perturber l'information qui circule dans ce câble. Un exemple, un câble coaxial a un coefficient d'atténuation de 0 dB par mètre à 100 MHz, pour 100 MHz de fréquence. Son débit est de 10 millions de bits par seconde et sa portée est de 100 mètres.